Montagne du charbon, départ du reposoir au-dessus du mont Bellecombe en Bauge. Montée au col de la Cochette. Puis contournement de la montagne du charbon. Par les chalets de la Combe, monter à la pointe de Banplat, traversée de la crête, au fond le mont Trélot. De la Dent des Portes, descente vers le Golet de Doucy, puis retour au reposoir.